Hey, salut! J'espère que vous allez bien. Moi, grâce à Dieu, aujourd'hui, bah, je vais encore bien. Et on va parler du compliment. Ouais, on va parler du compliment parce qu'il y a vraiment des personnes, elles sont trop radines de compliments. Franchement, vous n'aimez pas complimenter, c'est pas bien! La vérité, c'est pas bien! Pourquoi on n'aime pas complimenter comme ça? Non, sérieux, pourquoi on n'aime pas complimenter comme ça? Pour moi, complimenter, c'est encourager, donner de la confiance, rassurer, valoriser. Complimenter, c'est tout ça pour moi et je pense que ce sont des valeurs que le chrétien doit véhiculer. Malheureusement, il y a des gens qui n'aiment pas complimenter parce qu'ils ont peur que l'autre qui reçoit le compliment. Non, je t'explique parce que c'est assez compliqué. En fait, genre moi, j'ai peur de te complimenter, toi, parce que j'aurais peur que toi, tu deviennes orgueilleux à cause du compliment que moi, je t'aurais donné à toi. Tu comprends? C'est très, très, très compliqué. On complimente plus pour ça, en fait. On se dit, bon, mais si elle est placée là le dimanche pour chanter, c'est qu'elle sait qu'elle sait bien chanter. Ça sert à quoi que moi, je vais me lever, que j'aille jusque là-bas pour lui dire, eh, ma soeur, vraiment, tu chantes très bien. Ça sert à quoi? Elle sait qu'elle chante bien puisqu'elle est posée là. On n'est pas avec quelqu'un qui ne sait pas chanter là. Non, vraiment, entre nous, ça sert à quoi? Le compliment, c'est fait pour faire du bien. Malheureusement aussi, il existe des personnes qui n'aiment pas être complimentées parce que pour eux, en fait, c'est comme si on les évalue. En vrai, si quand on te complimente, ça te fait du mal, je pense qu'il est bon que tu te retires un peu. Pas de là où tu fais, hein, je pars chez toi. Hein. Tu te retires et tu te poses la question, mais pourquoi quand on me complimente, ça me fait du mal? Parce que je pense que le problème est bien plus profond, parce que tu peux pas. Qui n'aime pas être complimenté? Après, bien évidemment, faut pas tomber dans la flatterie. C'est-à-dire que complimenter, c'est reconnaître une vérité. Flatter, c'est inventer un mensonge. Ok, tu mens. Quand tu flattes, tu mens. Parce que tu veux quelque chose derrière aussi. Ah, les gens qui vous complimentent en faisant comme ça là, méfiez-vous d'eux. Ah, ma soeur, tu as bien chanté. Ah, ma soeur, tu es jolie. Ah, t'es bien habillée aujourd'hui. Arrête, enlève ta main. Il faut lui dire ça, enlève ta main. Je vais finir la vidéo sur ça. Proverbe 12, verset 25 dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Mais une bonne parole le réjouit. Et je pense que c'est vraiment ça, complimenter, c'est réjouir le cœur d'une personne. Quand tu sens que Dieu te dit d'aller complimenter, vas-y. Parce que c'est peut-être un moment que la personne a besoin d'entendre ce compliment. Faut juste vraiment, vraiment faire attention à ne pas tomber dans la flatterie. Complimentons tant que nous pouvons. Et ce que je vais faire avec toi, c'est que si tu es d'accord, en commentaire, tu peux mettre un passage de la Bible qui, pour toi, est un compliment. Pour l'être humain, c'est-à-dire un passage de la Bible qui valorise l'homme. Ok? On y va, c'est parti. Je pense que je mettrai mon petit commentaire aussi, ou pas, je sais pas. En tout cas, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, tes projets personnels, tes projets professionnels. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!